Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Avec une consommation annuelle de plus de 1000 mètres cubes d'eau par habitant, le Liban fait partie des pays les mieux lotis du Moyen-Orient. Pourtant, les Libanais manquent cruellement d'eau. Près de 40 ans après la fin de la guerre du Vietnam, une Française d'origine vietnamienne engage des poursuites contre les géants de la pétrochimie, accusés d'avoir produit l'agent orange qui aujourd'hui encore fait de nombreuses victimes. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne. Le pays vieillit et il manquera 6,7 millions de personnes sur le marché de l'emploi d'ici 10 ans. Nous vous emmènerons ensuite dans les coulisses de la maison Hermès à Paris, au cœur de l'artisanat des selles d'équitation, du sur-mesure dans un atelier unique au monde. Cap sur le Burkina Faso, où à 6 mois de l'élection présidentielle, le pays est à mi-chemin entre révolution et démocratie après la chute de Blaise Compaoré. C'est la génération Sankara qui reprend flambeau. Les cyberattaques se multiplient en France avec plus de 20 000 enregistrées au lendemain des attentats de Paris. La plus spectaculaire est celle qui a visé TV5 Monde le mois dernier. Faut-il aujourd'hui redouter un attentat d'origine cyber ? Direction Nicaragua, le pays au taux de criminalité parmi les plus bas d'Amérique centrale. Pour comprendre comment les autorités parviennent à éviter la contagion de violence qui sévit dans la région. Le pays du cèdre est aussi le pays de l'or bleu. Avec plus de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an, le Liban fait partie des pays les mieux lotis du Moyen-Orient. Pourtant, les Libanais manquent cruellement d'eau. Considéré comme le château d'eau du Moyen-Orient, le Liban possède, par rapport à ses voisins, des ressources hydrauliques considérables dont la gestion demeure pourtant très approximative. Seuls 10% de ces ressources sont exploitées et le pays affiche un taux de perte de l'ordre de 40%. Un taux de perte en partie lié au manque d'entretien des réseaux d'adduction. Les experts de la Banque mondiale sont clairs. Le Liban connaîtra des pénuries d'eau chroniques d'ici à 2020 si aucune mesure n'est prise pour améliorer la gestion de l'offre et de la demande en eau. Selim El-Medeb. Des toits couverts de citernes. À Beyrouth, en ce début de printemps, à son plein, mais à l'été, les coupures vont se multiplier. Il faudra alors les faire remplir par des sociétés privées. On a un vrai problème d'eau. On a plus d'eau à partir de juillet jusqu'à novembre. Cette eau vendue à prix d'or vient d'endroits comme celui-ci. Un puits a été creusé dans la cour de cette usine désaffectée. Il y en aurait plus de 20 000 à Beyrouth et dans la région du Mont-Liban. Le gérant nous affirme qu'ici, tout est légal, ce qui est plutôt rare dans ce juteux business. Il y a des gens qui creusent des puits, qui n'ont peut-être pas d'autorisation et dont l'eau n'est peut-être pas propre. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont besoin d'eau. Et puis ils la vendent parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tous les Libanais. Il n'y a pas d'eau au Liban. Pour faire face à la situation, le gouvernement a décidé, il y a 15 ans déjà, de construire 18 barrages. 7 projets ont été lancés, mais tous rencontrent un problème majeur. Les roches karstiques de la montagne libanaise sont pleines de failles qui laissent l'eau s'infiltrer en sous-sol. Cet expert en infrastructure coordonne la lutte des associations anti-barrages. Il soutient que la montagne agit comme un gigantesque réservoir naturel dans lequel il suffirait de creuser des puits pour subvenir aux besoins du pays. Selon lui, la raison d'être des barrages est loin d'être celle affichée officiellement. C'est principalement la corruption, pour une raison très simple, c'est qu'un barrage ou tous ces barrages-là vont coûter peut-être dans les 2 milliards de dollars. Donc quand on fait des projets à des milliards, on touche des centaines de millions, alors que les alternatives, ce sont des alternatives à quelques dizaines de millions de dollars, et là peut-être il n'y a rien à toucher. Pour Fadi Comer, chargé du dossier au ministère de l'Eau, les solutions alternatives ne tiennent pas la route. Pour autant, il ne nie pas l'existence de la corruption. Pas chez moi. Peut-être qu'il y a d'autres institutions, comme je t'ai dit, ou bien organismes qui font des travaux d'infrastructure hydraulique ou autres et qui ne se placent pas sous la tutelle de la Cour des comptes. Je suis un des rares au Liban qui font la guerre à la corruption. Le ministère affirme que le pays est entré cette année dans une période de déficit structurel en eau. Raison avancée, l'installation de plus d'un million de réfugiés syriens sur son territoire et le réchauffement climatique qui pourrait lui coûter 30% de ses ressources d'ici à 2030.
Près de 40 ans après la fin de la guerre du Vietnam, une Française d'origine vietnamienne engage des poursuites contre des géants de la pétrochimie. Elle les accuse d'avoir produit l'agent orange, un défoliant très toxique déversé par l'aviation américaine et qui aujourd'hui encore fait de nombreuses victimes. Environ 5 millions de Vietnamiens ont été touchés. L'impact laissé par ce produit chimique toxique sur la santé humaine et l'environnement est encore très présent. Les dégâts montrent encore les supplices des habitants qui ont été mutilés. Ces drames ont été qualifiés de plus grande guerre écologique de l'histoire de l'humanité et sont dus à l'action chimique du défoliant appelé agent orange, stocké dans des tonneaux marqués à la couleur orange. Aujourd'hui, le Vietnam est encore un pays brisé. Le paysage y est toujours défiguré par les cratères des bombes. Et la population continue à vivre dans la pauvreté malgré les avancées économiques et technologiques du pays. Nicolas Jaillard, Marie Deschamps. Couchy, à quelques kilomètres d'Ho Chi Minh Ville, un des plus grands maquis des combattants Viet Cong contre les Américains. Tran Tona, franco-vietnamienne de 73 ans, combattait aux côtés de la guérilla communiste. Elle a échappé aux bombes, mais pas à l'agent orange, un défoliant très puissant largué par avion. Nous sommes en 1967. Alors je vois de loin un avion qui passait. Au lieu de nous encercler, alors il passait et il y a comme un nuage qui tombait. Un nuage comme ça, assez gras, assez épais, mais qui tombait très très vite. Et tout de suite, j'ai reçu comme une sorte de liquide gluante qui me trempait. Et bon, ça me fait tousser beaucoup. Plus de 80 millions de litres de défoliant ont été épandus par les Américains pour tuer la végétation et démasquer les combattants Viet Cong. Na a été contaminée par la dioxine contenue dans l'agent orange, comme 3 millions de Vietnamiens. Non seulement elle est malade, mais elle a transmis le poison à ses enfants. Dans le maquis, la jeune femme d'alors a donné naissance en 1968 à une petite fille apparemment en bonne santé. C'était un bébé normal de 3 kilos, un bébé très beau, très joli. Mais après 2 jours, sa peau commence à se délabrer. Et puis après, elle ne grandissait plus. Viet Ai mourra quelques mois plus tard de la tétralogie de Fallot. Na donnera naissance à 2 autres filles dont l'aînée est atteinte, comme elle, de l'alpha-thalassémie. Encore une fois, je culpabilise. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour transmettre à mes enfants ces maladies incurables? Et maintenant, je sais que c'est pas moi la fautive. C'est moi. Maintenant, on peut désigner le criminel pour mes enfants, pour les maladies de mes enfants. C'est qui pour vous alors? C'est la dioxine. Na a compris l'origine de ses malheurs il y a 10 ans, lors d'un voyage dans cette province de Thái Bình. Ici, des milliers d'enfants de la deuxième et troisième génération naissent avec des handicaps. En train de faire une crise. Comme cette fille de soldat, née après la guerre. Vous ne pouvez pas imaginer leur souffrance. On a d'abord cru qu'elle était folle. On cherchait des traitements. C'est longtemps après qu'on a su qu'elle était victime de l'agent orange. Depuis quand ça a empiré? Depuis qu'elle est aveugle, elle est dans cet état. Quand elle a eu 16 ans. Elle a 38 ans maintenant. Sa mère et son père ont été sur tous les fronts pendant la guerre, au contact de l'agent orange. J'avais 22 ans quand on s'est mariés. On était un beau couple. Notre destin, lui, est malheureux. Tu es courageuse. C'est en rencontrant ses familles que Tran Tana s'est décidée à témoigner, puis à porter plainte en France. Au nom des victimes, elle attaque Monsanto, Dow Chemical et 20 autres sociétés qui ont livré l'agent orange à l'armée américaine. Tran Tana, défendue par l'avocat français William Bourdon, a aussi reçu le soutien des vétérans vietnamiens. En 2009, ils avaient demandé réparation devant un tribunal de New York, en vain. Na est leur dernier espoir. Le gouvernement américain a consenti des aides financières pour ces vétérans qui ont été au Vietnam et qui ont été empoisonnés par l'agent orange. Il y a une grande injustice à l'égard de nos victimes, alors que ce sont bien et le gouvernement américain et leurs firmes qui sont les principaux responsables.
Le premier acte du procès contre l'industrie chimique américaine commence aujourd'hui en France. La procédure durera de longs mois encore. On se retrouve dans quelques instants.